l'homme de la fenêtre débarque sur Minecraft. Et comme vous le savez super bien, son but c'est de passer de maison en maison et de kidnapper tous les enfants de la ville. Il pense que comme ça il pourra se faire des nouveaux amis, mais c'est complètement faux. C'est pour ça que si vous le voyez les amis, il faut directement le signaler. Et d'ailleurs, mets un like sous cette vidéo, ou sinon l'homme de la fenêtre apparaîtra sous ton lit la nuit. Reste jusqu'à la fin, la vidéo est incroyable. Vous êtes prêts? C'est parti! On se retrouve devant chez moi, devant ma grande villa sur Minecraft. Aujourd'hui, j'ai prévu d'aller me balader en ville avec mes enfants. C'est parti, on va aller voir Billy et Eva. Et oui les amis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu notre petite Eva. Alors attendez, on va voir un petit peu s'ils sont au niveau du salon. Ils ont pas l'air d'avoir regardé la télé, la cuisine est encore propre. Je sais pas qui est venu manger ici, ils doivent sûrement être dans leur chambre. C'est sûr et certain. Coucou les enfants. Non Eva, fais pas ça. Je m'en fous moi de ta vidéo. Mais laisse-moi faire ma vidéo tranquille. Ah, vas-y, fais vite. Alors... aujourd'hui, les amis, on va maquiller Billy. Allez, hop, on prend la petite brosse. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Mais qu'est-ce que... aïe. Mais qu'est-ce que... Billy, reste tranquille. J'en m'en fous, Eva. Regarde, tiens, ta caméra. Mais elle a coûté super cher. C'est pour moi, je pars. J'en ai marre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Billy, mais explique-moi. Mais il se passe quoi? J'en peux plus, papa, d'Eva. Elle fait que me maquiller pour sa vidéo. En plus de ça, regarde. Elle gagne beaucoup d'argent, elle me donne même pas de l'argent. Ah, du coup, Eva se sert de toi pour faire des vidéos sur YouTube et elle se fait beaucoup d'argent grâce à son maquillage sur toi. Ah oui, papa. mais quand même, mais c'était pas une raison de lui crier dessus. Attends, elle est partie où maintenant, Eva? Non, je sais pas. Eva, Eva, reviens, mais regarde, elle est partie, elle est sortie dehors. Je m'en fous, papa. Ouais, mais quand même, attends, attends, déjà, enlève-moi tout ce que t'as, toutes ces robes, ce maquillage. Là, tu m'enlèves tout ça, Billy. Allez. Je dois passer à la douche alors, papa. Ouais, allez, prends ta douche tout de suite. Voilà, ok. Bon, les amis, ça commence super bien. Billy et Eva se sont totalement disputés alors que j'avais prévu une balade au parc aujourd'hui. Je ne sais pas comment va se passer la journée, du coup, vu que Eva, quand elle s'énerve, bonne chance pour la récupérer. Coucou. Coucou Billy, bon tu sais quoi? Pour retrouver Eva, ça va être très très compliqué. Moi ce que je te propose, c'est qu'on regarde la télé jusqu'à qu'elle vienne, ok? Oui papa, hop là, on va regarder Buzz l'éclair. Allez c'est parti, on va regarder Buzz l'éclair à deux, c'est parti les amis. On se retrouve quand Eva reviendra. Pour moi avec Billy. Et en plus, papa, il prend toujours sa défense. D'accord. Au secours. Attends, mais Billy. Billy, mais réveille-toi. Papa, pourquoi tu me réveilles? Bah le film il vient de se finir et il commence à faire nuit. On a toujours pas de nouvelles de Eva. Oh papa, bah oui. Moi je m'en fous d'Eva, j'ai faim. Mais Billy, c'est ta sœur quand même. Mais, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Papa, elle est où Eva? Bah oui, elle est où Eva, bon les potes. Là, on va commencer à devenir sérieux. Eva a disparu, ça fait depuis 14h de l'après-midi qu'on ne l'a pas vue les potes. Je ne sais pas, il fait super froid dehors, il fait super noir aussi. Oui Billy, qu'est-ce qu'il y a? Papa, elle est où Eva? Faut qu'on la retrouve, faut qu'on la retrouve au plus vite. Ah oui, ok, on va retrouver allez, papa. C'est parti les amis. Ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va sortir de la maison et on va essayer de trouver ma fille Eva qui doit être effrayée, meurt de trouille. Bon, Billy, ça va, t'as pas trop peur toi la nuit? Il fait un peu froid et papa, j'ai un peu peur du noir. Oh, ça va, Billy, on est des hommes, ça va, on doit retrouver Eva avant qu'elle se fasse manger.
Parce que les amis, la nuit, pour ceux qui savent, voilà, il y a plein de monstres qui barodent la nuit. Il y a Huggy Wuggy, il y a Mommy Long Legs. En ce moment, il y a l'homme des fenêtres aussi qui est super chaud. Du coup, va falloir faire très, très, très attention quand même. Hein. T'as une petite idée de où elle aurait pu aller, Eva? Oh, j'en sais pas, il y a de la lumière là-bas au fond, papa, regarde. Oh, là-bas? Là-bas. Oh, oui. Mais là-bas, c'est son banc préféré, c'est là où elle va tout le temps pour... Pour lire des livres. Pour lire des livres, bah oui, attends. Oui, oui. Mais attends, mais j'avoue. Papa, il y a personne. Pourquoi il y a personne? Il y a l'air d'avoir personne. Bon, je ne sais pas si elle était là ou pas. Oh, papa, est-ce que t'as vu le truc là-bas? C'est éclairé, c'est bizarre, attends, papa. Qu'est-ce qu'il y a ici, Billy? Il n'y avait pas une maison avant. Ouais, j'avoue ici. Oh, what? Attends, mais quoi? Mais pourquoi? Oh. Mais what? Pourquoi il y a un gros trou là? Mais attends, mais Billy, mais t'as. Billy! Billy! Je suis là, mais n'aie pas peur, Billy! Mais non, mais n'aie pas peur, t'inquiète pas! Mais non, mais où tu vas? J'ai peur, papa! Mais viens, mais Billy, faut qu'on saute, je suis sûr que Eva a dû tomber en bas! Ah bah, papa, assieds-toi, mais. Ah! Hey! What, Billy? Allez, papa! Adieu, papa. Moi, je vais prendre ma pizza, j'avais trop faim en plus. Allez. Oh là là, il m'a abandonné. Bon, je vais chercher Eva toute seule. Il y a l'air d'avoir une fenêtre géante devant moi. Je sais pas qu'est-ce qu'une fenêtre fait ici, les potes. Vous savez quoi, attendez, on va casser la fenêtre et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, c'est parti. Est-ce que je peux casser la fenêtre? Allez, on la casse. Oula, ok, on en a cassé une. Faut casser la deuxième. On a atterri où, là? Attendez, derrière la fenêtre, on a atterri dans une grotte. Attends, on va avancer un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y a. Waouh, ok, ça commence à devenir chaud ici. Hein. Oh, attendez, il y a du... Oh, what? Attendez. Mais c'est pas de mal. Oh, c'est Eva et l'homme de la fenêtre. Mais j'ai rien fait. Oh, il a enfin... Suis-moi, viens, suis. Oui. Ne me faites pas de mal, me faites pas de mal. Mais what, les amis? Où il a ramené ma fille? Mais il est malade, ce mec. Ok, bon, les potes, maintenant, on sait c'est qui. C'est l'homme de la fenêtre. Oh. Ok, bon, les potes, il est parti. Et il a pris ma fille. Et maintenant, il y a une porte en fer que je dois réussir à ouvrir. Attendez, on est où, là? Ok, on est dans un endroit où il y a des cadavres et tout. Ça commence à me faire flipper. Alors, attendez, trouvez la clé. Ah, il y a une clé. D'accord, ok, il y a une espèce de clé à trouver. Je ne sais pas où on peut la trouver, cette clé-là. Du coup, il va falloir que je fouille un petit peu plus la salle. On va regarder en dessous des cadavres, peut-être. Attends, on enlève tout ça. Non, il y a l'air de rien avoir. On va peut-être enlever les feuillages, là, qui se trouvent là, peut-être. Peut-être que la clé se trouve derrière les feuillages. Même pas. D'accord, trop bizarre. Ok, bon, les amis, là, ça commence à devenir chaud. C'est une question de temps. Je ne savais pas que Eva s'était faite attraper par l'homme de la fenêtre. Hop, ok, bon, la clé n'est pas là. La clé n'est pas là, les amis. Je fais comment pour la trouver? Attendez, on va peut-être remonter pour voir si elle est peut-être là-bas. Peut-être qu'on a loupé quelque chose. Bah non, on a clairement rien loupé, les potes, hein. On a clair... What? C'est quoi, ça? Ok. Wow, faut que je fasse vite. Faut pas que ce... Ah! Faut pas que ça me touche! Ok, les amis! Faut que je fasse vite! Oula, attendez, je suis où là? Oh! Oh, y'a un coffre! Ah, ok, les amis, y'a un coffre! Attendez. Alors, attendez, on va ouvrir le coffre. À l'intérieur, il y a un levier, d'accord! Ok, nickel. Bon, du coup, avec ce levier, les potes, je vais pouvoir ouvrir la porte. Nickel. Attendez, on va quand même faire. Attendez, mais y'a toujours cette espèce de brume chelou. Y'a plein de lianes, par contre. Ok, parfait. Oula, on arrive où là, les potes? On a l'air d'être arrivé dans un espèce de jump. Ok, c'est bon, les potes, j'ai réussi. Et là, ok, il y a des flèches qui se sont activées. Ok, il n'y en a plus. Je peux y aller, je peux passer. C'est le moment. Ok, nickel. Maintenant, faut que je repasse. Ah! Ouh, je me suis pas fait toucher. Il y en a encore une autre. Oh bah, attendez. Hop là, papa. Voilà, nickel. J'ai esquivé les flèches. Faut que je repasse là. Et faut que je saute. Nickel, ok. Bon, on est mort une fois sur ce jump, ça... Ah! Okay, il m'a pas vu? Il m'a pas vu, ça va. What? Je l'avais clairement pas vu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Attendez, il est passé où? Il est plus là. Eva? Eva? Papa! Oh, papa. Eva, c'est toi! Eva, oui. C'est bon! Je vais te sortir d'ici, je vais te sortir d'ici! Mais il est passé où l'homme des fenêtres? Je sais pas, il m'a laissé ici, hein. Il a essayé de me découper un doigt. Il a essayé de te découper un doigt? Attends, il est où? Je l'entends! Je l'entends, Eva! Bon, attends, tu sais quoi? Pour l'instant, je vais me cacher, ok? Oui. Ok, je vais me cacher, les amis. Faut que j'aille me cacher et on va voir un petit peu qu'est-ce que l'homme de la fenêtre va faire. Okay. Oh! 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 Qui est là? Oh! Oh! What? Il est en train de me chercher, j'ai l'impression. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Ma proie! Je vais te manger! Mangez pas! Oh non! Oh non! Toi là-haut! Quoi? Toi là! Toi! Tu vas la libérer, ok? Non! Ah! Tu vas me passer sur le ventre! Oh non! Les amis! Mais au moins libère ma fille, l'homme de la fenêtre! Non! Je vais mettre le feu à ta maison! Quoi? Comment ça le feu à ma maison? Qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais mettre le feu à la maison! Non! Mais y'a ma fille dedans, y'a ma fille! Je m'en fous! Papa! Oh non, les amis! La maison est en train de brûler! Ah, l'homme de fenêtre, reviens là! Ok, s'échapper! Eva, tu vas bien? Mais non, mais ça commence à sentir le brûler, là. Ok, les amis, faut vite qu'on sorte Eva de cette galère. Ok, je vais récupérer un maximum de bois. Je vais me faire une table de craft pour pouvoir me faire une pioche en bois et pouvoir la délivrer. C'est parti. Ok, nickel. Eva, t'arrives à survivre? Oui. Oh, ok, les amis, c'est en train de brûler. Ok. Papa. Tu vas t'en sortir, Eva. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vite! Ok, ça va. Ok, je fais la table de craft. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça commence à brûler à l'intérieur. Oh, ça commence à brûler, t'inquiète pas, c'est bon. Je me fais. Ok, les amis, faut vite qu'on se fasse là par contre. Ok, faut que je me fasse une pioche. Nickel. Ok, je me suis fait une pioche en bois, je vais récupérer la pierre que j'ai vue ici. Ok. Ok, ça va aller, Eva, t'inquiète pas. Mais regarde, papa, y'a plein de feu. Quoi? Oh. Ça va, Eva. Ok, c'est bon, je me suis fait une pioche en pierre. C'est bon, Eva, regarde. Vite. Sors. Ok, ça va. Un feu. Ok, ça va, Eva. Ça va, rien de cassé. Il m'a fait très mal et en plus, regarde, je saigne de partout. Oh, j'avoue, t'as du sang et tout. Oh non, oui. Eva. Bon, Eva, tiens, prends cette pioche. On va s'occuper de l'homme de la fenêtre, ok? Oui, on va le tuer. Parce que là, les amis, ce que l'homme de la fenêtre a fait, c'est... impardonnable, on va essayer de le retrouver. C'est parti, il est passé par où l'homme de la fenêtre? Je sais pas non plus. Peut-être qu'il est... Oh, il est là-bas. Oui. Oh, ok, faut qu'on y retourne, Eva, go. Oui. C'est okay. Parti, les amis, on va essayer de s'occuper de l'homme de la fenêtre, let's go. Passe par les lianes, t'inquiète. Ok, les amis. Parce que moi, je suis pas très forte, hein, tu aimes pas. Ouais, pareil pour moi, j'ai déjà été mort tout à l'heure. Allez, on passe par là tranquillement. On peut essayer de passer par là, Eva, t'inquiète. Hop là. Ok. On va passer là-bas tranquille. Ok, il est passé par où? C'est bon, Eva, t'es là? Oui, je suis là. Oh non. On est coincé. Oh non, on a des pièges. Casse. Ah, vas-y. Ok. Hey, l'homme de la fenêtre. On va s'occuper de toi. Hein. On va s'occuper de toi, t'as fait du mal à ma fille. Tu vas voir. Viens par là, l'homme de la fenêtre. Viens, Eva. Dégomme-le. Allez. On y est presque. On le pousse dans la lave. Oui, vas-y, on le pousse dans la lave. Allez. Oh. Ah, oh. C'est la lave qui va venir vers nous. Ah oui, vas-y. Oui, bien joué. Oui, bien joué, Eva. Oui. Bravo. Ouais. Ok, bien joué, Eva. Ça va, t'as pas fait trop de mal. Ça va quand même. Ok, ça va. En tout cas, tu t'es super bien battue, ma fille. Merci, papa. Tu m'as bien sauvée. Oh là là, c'était super chaud, les amis. Franchement, l'homme de la fenêtre,
on le connaît et on sait très bien qu'il n'est pas vraiment mort parce que toutes les nuits, il ressuscite et il essaie de faire peur à un maximum de personnes. Mais ça veut dire qu'il va revenir pour moi ? Bah, faut faire attention, Eva. Faut qu'il y ait plein de likes pour qu'on puisse se préparer au pire. Ah oui, hein. D'accord ? En plus, Billy, il est parti comme un lâche. Ouais, oh les amis, dites-moi dans les commentaires plein de punitions qu'on pourra donner à Billy parce que là, Billy, il a fait n'importe quoi, il s'est découragé, ouais. Le pauvre. Bah, les amis, voilà, vous me dites dans les commentaires une idée de punition qu'on pourra lui donner. En tout cas, si la vidéo t'a plu, tu mets un gros pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Souka, Billy, Eva et l'homme de la fenêtre. Ciao les